I am the least adept with a bow, and that is precisely why I must master it. Shouldn't let your guard down! Nothing can be accomplished without rules or standards. Think you can bully me? Pyrotechnics! Aw, yeah, rock on! D-Luke! Oh, I can't stand him! Diana Special! Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, on va aller voir ensemble Shide et Zhongli, les détails les concernant, les infos qu'on a pour le moment. Et je vais essayer de vous aiguiller un maximum sur qui choisir entre les deux, parce que les deux ont l'air très forts. Les deux ont un doublage juste incroyable sur les voix et les deux sont très bien modélisés de la part de MiHoYo. C'est clairement un sans faute à ce niveau-là. On va aussi voir le prochain qui devrait sortir. Ce n'est pas celui qu'on pense. Et pour tout ça, on va aller sur le site Genshin Impact FR. Donc, c'est un site que je vous conseille déjà premièrement parce qu'il est très bien fait, c'est très bien rédigé et il y a des très bonnes infos dessus qui sont toujours vérifiées. En plus de ça, comme vous le savez, je vais plus trop jouer avec les vidéos de leaks. Donc, je préfère utiliser ce genre de site-là pour éviter un deuxième strike coup. Et on peut commencer. Du coup, on va débuter avec Shide dans un premier temps. Donc, ces informations sont pour la version 1.1. Le prochain qui devrait arriver serait Shide. Pourquoi? Parce que par rapport à Zhongli, on a eu son trailer qui est sorti sur la chaîne officielle de MiHoYo. À l'instar de Klee ou de Venti par exemple, lorsqu'on a eu leur pré-annonce en fait en vidéo, ils sont sortis juste après. Donc là, on peut en déduire logiquement que ça sera Shide le prochain. Sachant que en plus de ça, normalement ça sera pas un double portail. Il y a des gens qui sont allés dataminer un peu les données du jeu et qu'ils ont vu qu'il y avait deux portails différents. Donc je pense que ça sera un portail sur deux semaines et on aura Zhongli du coup en fin de mois. Alors, à savoir que toutes ces infos sont bien sûr à prendre avec des pincettes comme d'habitude, tant qu'il n'y a pas une date officielle qui est communiquée. La version 1.1 d'ailleurs devrait sortir le 11 novembre, et c'est là qu'on aurait apparemment le nouveau portail. Donc Shide Tartaglia, vous l'appelez comme vous voulez, ça va être un perso qui va pouvoir jongler entre la distance et le corps à corps. Je m'explique, en fait, il va avoir un arc et aussi des dagues au corps à corps, ce qui est très fort. Donc c'est un archer de type hydro. Et en plus de ça, il va tout simplement permettre d'appliquer des debuffs sur l'adversaire. Donc ces debuffs-là sont appelés coupures. Donc c'est la traduction qui leur a été donnée ici. Et vont permettre en fait tout simplement d'être appliqués avec le mode à distance, donc l'arc. Et d'exploser au contact de l'arme au corps à corps, donc les dagues. Ça va infliger des dégâts hydro en zone. Et là, on a un premier point très intéressant, c'est que son gameplay est assez riche. On va avoir deux modes, donc à distance et de près. Et il faudra jongler entre les deux pour faire un maximum de dommages. Donc, on risque de ne pas s'ennuyer avec ce perso, clairement. Il a l'air très bon. En plus, ça va être un archer haut. Donc, les persos à distance sont clairement très bons dans certaines situations. On va pouvoir jongler entre les deux modes en fonction du boss qu'on va affronter. Des fois, on préfère être de près, des fois de loin. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, on va voir les déchaînements, donc les attaques spé juste ici. On va voir la première. Donc, il faut savoir qu'il a deux spé, donc une à distance, donc avec son arc, et une avec ses dagues, donc de près. Et ça, c'est déjà une chose supplémentaire qu'il faut souligner. On va avoir deux types de spé, donc à utiliser selon les situations. Donc, on a le premier déchaînement à distance. Shide envoie une puissante flèche hydro, infligeant des dégâts hydro en zone et impliquant le debuff coupure. Donc le debuff que je vous ai cité précédemment, qui, lorsqu'on met des attaques au corps à corps, explose et inflige des dégâts de zone. On a le deuxième ulti, donc déchaînement mêlé. Shide effectue un puissant coup en face de lui, infligeant des dégâts hydro en zone et explosant le debuff coupure. Donc là, il va former une lance avec son eau et va venir tournoyer pour infliger des dégâts de zone. Donc, un perso qui a l'air très prometteur, clairement. On va avoir un gameplay assez riche et varié à distance et de près. On va avoir pas moins de deux attaques spé. Et honnêtement, je suis très hype par le perso de base. Moi, je veux Zhongli, mais il a l'air vraiment incroyable sur le papier. Maintenant, on va passer à Zhongli. Donc Zhongli, ça va être un lancier de type Géo. Alors, Zhongli, lui, va fonctionner plutôt avec les constructions. Comme vous le savez, par exemple, on va avoir des constructions qui vont s'effectuer lorsque le personnage principal... À l'élément Géo, on va avoir une boule qui va sortir de terre qui inflige des dommages.
Là, ça va être le même procédé avec, du coup, la première compétence de Zhongli, donc compétence appui. Sa compétence en appui invoque une construction géo. Cette construction peut résonner avec les autres constructions géo. Tant que cette construction est sur le terrain, elle inflige des dégâts géo en continu. Donc ça, c'est assez cool. Faut savoir que les dégâts ne sont pas à l'impact, mais sont tout simplement continus. Lorsqu'on a un boss qui dure assez longtemps, ça peut être cool de mettre le pilier juste derrière lui et de continuer à taper pour infliger vraiment énormément de dommages. Compétence maintien. Zhongli inflige des dégâts géo autour de lui et détruit les constructions géo, comme celles qu'on a citées plus tôt, comme le sort géo du perso de base ou celui de Zhongli. Zhongli crée de plus un bouclier basé sur ses PV max. Donc en plus d'exploser ceci et d'infliger des dommages en zone, on va récupérer un bouclier qui dépend de ses HP max. Donc il faudra clairement le build PV en fait, un maximum de PV, sachant qu'en plus de ça, il a un passif qui permet de convertir un certain pourcentage de ses PV, de mémoire 20%, en attaque. Donc ça c'est extrêmement fort, ça va être clairement être un tank DPS. Là où Shield va plutôt être un DPS pur, comme les indiquent souvent au niveau des archers, ça va être des persos à distance qui vont être très fragiles, mais qui vont infliger beaucoup de dommages. Donc on a vraiment deux persos qui ont un rôle très différent et très distant. Son déchaînement après, ça va être donc son attaque spé, qui est vraiment incroyable. Pour le coup, je crois que c'est la plus belle attaque spé du jeu. Zhongli abat une météorite géo sur les ennemis, ce qui inflige des dégâts géo et pétrifie les ennemis. Les ennemis pétrifiés ne pourront plus bouger et recevront 20% de dégâts physiques et géo supplémentaires. Donc les dégâts physiques, c'est les dégâts en blanc. C'est comme ceux que vous infligez avec votre attaque de base lorsqu'elle n'est pas chargée avec un élément. Et bien sûr, les dégâts géo, donc les dégâts de l'élément géo. À ce niveau-là, on va pouvoir tout simplement placer des combos, par exemple mettre une construction, venir directement derrière, infliger donc cet outil et venir faire exploser derrière la construction géo pour profiter du bonus de dommage. Ça m'a l'air très très bon tout ça. Son bouclier, je pense qu'il va être très fort. En plus, selon les leaks qui sont sortis, il pourra le réparer à hauteur de 5%. Donc ça devient quand même un énorme tank sur le jeu, sachant que pour l'instant on a quand même déjà un tank qui est Noël. On va avoir deux tanks Géo du coup, donc bon, ça c'est un peu dommage, mais il pète la classe quand même. Hein. On va pas se mentir, il pète la classe les gars. Et j'aime bien moi cette polyvalence en fait, entre le fait qu'on puisse le build tanky qui va quand même faire quelques dommages. Ça va pas être juste un tank pur qui va servir juste à se recevoir les dommages. On va pouvoir effectuer des combinaisons avec et pouvoir infliger un maximum de dommages. Je pense que ce perso là va vraiment être un must have et on va pouvoir soloter pas mal de boss avec, en jouant sur les boucliers, les temps de respawn, etc. Donc on va avoir un tank géo et un DPS hydro. Le tank bien sûr va être encore à corps, donc Zhongli. On va avoir le DPS Shield Hydro qui va être autant à distance qu'au corps à corps. Ces deux personnages là ont vraiment un gameplay très différent. C'est ça qui va être plutôt cool. Après ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Encore une fois, si vous voulez un archer, bah, n'hésitez pas à prendre Shield. Si c'est plutôt de la tankiness qu'il vous faut, vous avez un perso qui est déjà fragile. Moi par exemple j'utilise Kekin, je sais qu'elle est pas mal fragile. On va avoir Zhongli qui va être un choix vraiment très bon. Après, la différence, ça va être que Géo, les résonances Géo sont que des boucliers. Donc c'est assez compliqué à manier dans le sens où dans le jeu, pour le moment, on préfère faire un maximum de dégâts, sachant que la survivabilité, vous m'avez compris, est quand même pas mal. Hein. On meurt pas tout le temps dans le jeu normalement. On va préférer infliger un maximum de dommages pour mettre un minimum de temps à faire les donjons. Mais l'élément Géo va permettre de faire des boucliers. Donc pour moi, l'élément Hydro est beaucoup mieux pour faire des résonances élémentaires. Après, les deux persos restent excellents. Faites votre choix en fonction de tout ça. On va avoir aussi des petites infos. On va avoir un nouveau tank, tout simplement Pyro, donc, qui est Xinyan. Donc comme vous voyez ici, elle a des attaques de base. Frappe les ennemis autour d'elle, crée un bouclier. Le niveau du bouclier diffère en fonction du nombre d'ennemis touchés. Touche aucun ou un ennemi bouclier niveau 1, touche 2 ennemis bouclier niveau 2, touche 3 ennemis bouclier de niveau 3, en plus d'absorber des dégâts, inflige des dégâts pyro par intermittence aux ennemis proches. Donc c'est un tank qui va être plutôt pas mal, qui va infliger des dégâts de zone et qui va infliger l'élément pyro. Ça c'est très important pour les réactions élémentaires. Déchaînement, Xinyan envoie une onde de choc qui repousse les ennemis, inflige des dégâts aux ennemis proches. De plus, elle invoque des flammes infligeant des dégâts pyro en continu. Ça, c'est une mécanique qui n'est pas énormément présente dans le jeu. On a des mécaniques pour rapprocher les mobs, par exemple comme Vanchi ou Sucrose. Là, ça va être une compétence pour les éloigner. Donc ça peut être intéressant, même si pour le moment,
on préfère un peu les techniques pour assembler, pour aller plus vite. Mais ça peut être intéressant si vous êtes en difficulté, il y a beaucoup de mobs autour de vous, pour un peu les repousser, pouvoir respirer afin de changer de personnage. Donc maintenant on va passer à Diona, donc, qui est une archère de type cryo. Donc elle va permettre, là où juste ici vous avez un bouclier, ici ça va être plutôt du soin. Donc c'est bien parce que les persos sont, sont assez distincts et ils se ressemblent pas en fait. Donc Diona envoie des flèches cryo aux ennemis proches, elle crée aussi un bouclier cryo. Déchaînement, Diona envoie une bouteille infligeant des dégâts cryo en zone et laissant une zone au centre infligeant des dégâts cryo en continu et soignant les personnages. Donc tout ce qui est continu, c'est très bon pour les combats longs en fait, parce que ça va vous permettre tout simplement de faire proc un maximum de fois la réaction élémentaire, ce qui sont les dégâts les plus importants dans le jeu en fait. Hein. Lorsque vous changez vraiment, vous arrivez à superposer énormément d'ulti, vous voyez que le monstre ne fait pas long feu. Par exemple, si vous mettez l'ulti de Venti derrière l'ulti de Xiangling avec son Gooba et vous lâchez un ulti de Kekin, les dommages sont vraiment incroyables pendant les 3-4 secondes où tous sont actifs. Ça fait que de faire des réactions en chaîne. Donc on va avoir aussi bien sûr le nouveau boss Tartaglia qui va arriver et le système de réputation. Donc voilà pour ces petites reviews des personnages qui vont arriver sur la version 1.1. Donc Zhongli ou Shai, je vous laisse le choix aujourd'hui. C'est vrai que ces deux persos sont très intéressants, on en saura un peu plus quand ils sortiront tous les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement ça ferait grandement plaisir. Je vous rappelle qu'on est en live tous les soirs sur Twitch, 19h30, on fait très souvent du Genshin Impact, des fois un peu de Among Us et autre chose, soirée émission, mais très souvent sur Genshin Impact, donc n'hésitez pas à passer. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée, je vous souhaite plein de luck pour vos invocations, à la prochaine, ciao ciao, portez-vous bien.